Le président de la coordination nationale des Fulbéas et Poulards de Guinée, Eladio Alcéni Barry, accompagné de plusieurs membres influents de la communauté, a été reçu en visite de courtoisie par son Excellence Aboubacar Sylla, l'ambassadeur de Guinée au Libéria. Une rencontre chaleureuse, marquée par un accueil bienveillant de l'ambassadeur et de son équipe, témoignant de l'engagement des Guinéens à l'étranger pour renforcer les liens de solidarité et d'unité. La délégation arrivée à Monrovia pour assister à l'inauguration de la grande mosquée United Foundation a voulu marquer son passage par une rencontre avec la représentation diplomatique guinéenne, composée de cadres, de jeunes, de sages, ainsi que de la présidente des femmes de la coordination, Hadia Aminata Diallo. Cette délégation est venue rappeler aux diplomates guinéens l'importance des valeurs de la fraternité et d'amitié au sein de la communauté guinéenne résidant au Libéria. La coordination Apula. Ils sont d'accord que c'est la coordination Apula, mais c'est la coordination de la communauté guinéenne et de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, ces liens séculaires qui existent entre nous, nul ne peut l'effacer, nul ne peut le détruire, nul ne peut le diviser. C'est notre famille. Partout où ils sont, nous devons les recevoir comme si nous recevons nos parents d'une même ethnie. Nous sommes beaucoup plus soudés avec cette communauté que certains de nos parents étaient biologiques. Donc c'est dire que je tiens au respect scrupuleux de cette coordination. Ils ont accepté d'eux-mêmes de venir rendre visite à la communauté guinéenne. On ne les a pas invités, ils ont dit non, la Guinée d'abord, nous après. Voilà pourquoi ils sont là devant nous aujourd'hui. Vraiment, ils en soient remerciés et reconnus comme étant des porte-flambeaux de la communauté guinéenne à l'extérieur. De son côté, le président de la coordination n'a pas manqué de manifester sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a encouragé la communauté guinéenne au Libéria à contribuer de respecter et de soutenir l'ambassadeur dans sa mission, tout en rappelant l'importance de s'impliquer activement dans le développement économique et social de la Guinée. Elazo Amadouri Canada Diallo, vice-président en charge des antennes à l'étranger, a clôturé cette visite en rappelant la vocation de la coordination, soutenant que cette structure vise à briser les barrières communautaires, unissant les Guinéens au-delà des différences et des frontières. Vous avez vu les personnes qui ont accompagné Eladio Alcéni Barry à cette rencontre. C'est nous, en la personne du président, qui avons souhaité vous saluer pour faire rendre les civilités qu'on doit à toute la communauté. L'ambassadeur a dit cette délégation de la COP de la Coordination nationale fédérale pour la Guinée est une propriété commune à l'ensemble de la Guinée.
ce n'est pas une coordination qui s'enferme dans des murs communautaires. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Monsieur l'ambassadeur l'a dit. Cette rencontre entre la coordination nationale des Fulbéya Halipoulard de Guinée et l'ambassadeur Aboubacar Sylla marque une étape de plus dans le renforcement des liens entre les communautés guinéennes à travers le monde et leurs représentations diplomatiques.